Je suis très heureux d'accueillir ce soir Céline Jorgensen et Emmanuel Lafont-Lapnouille. Céline, vous la connaissez, elle est souvent venue à la chaire, elle est membre du comité de pilotage. Elle nous accompagne depuis longtemps, notamment depuis qu'elle a pris ce poste de directrice de la stratégie au CEA DAM, Direction des applications militaires, où elle a succédé à Bruno Roche, bien connu aussi de la chaire, et à Marie-Lise Thérèse Delpech, qui était aussi une amie. Il y a, vous savez, sur ce poste, une grande continuité des gens qui conduisent à la fois un travail pour cet organisme et en même temps de réflexion stratégique. Bon, elle est diplomate de carrière, elle a exercé un certain nombre de postes. Le précédent était comme sous-directrice des droits de l'homme et des affaires humanitaires du Quai d'Orsay de 2014 à 2016, qui est presque une forme d'introduction pour certains sujets liés notamment à certaines conventions, mais dont on parlera plus tard. Elle a été aussi en charge soit au ministère de la Défense, soit au ministère des Affaires étrangères, soit à la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies dans les années qui précédaient, en charge de questions juridiques, de questions européennes, et de dossiers qui avaient trait au désarmement et à la non-prolifération. C'est donc la spécialiste, on va dire, du secteur, avec cette incursion quand même sur les questions humanitaires. Merci. Ça anime d'une certaine manière l'entrée en matière, ça les chauffe. Voilà. Elle enseigne à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm au Centre interdisciplinaire d'études sur le nucléaire et la stratégie, je pense avec Bruno aussi, et à l'Université de Paris 2, c'est la concurrence, mais on l'accepte bien volontiers, et puis aussi, je crois, à Aix. Elle a été notamment la co-dirigée à un ouvrage remarquable, « Résistance et dissuasion », qui est paru chez Odile Jacob, et qui permettait d'interroger quelles étaient les origines de la dissuasion française, à l'amorce même des programmes. Alors, Manuel Lafont-Lapnouille est aujourd'hui en charge de la direction du bureau parisien de l'European Council on Foreign Relations, un think tank européen qui se charge de la réflexion sur les politiques étrangères de l'Europe. Il a eu aussi une carrière de diplomate et il a occupé notamment un certain nombre de postes directement liés à l'action de la France aux Nations Unies. Il a de manière régulière contribué, y compris à l'élaboration de documents tels que le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2008, donc j'imagine avec Jean-Claude Mallet. Voilà, c'est une bonne formation toujours et c'est utile. Il a travaillé au Centre d'analyse et de prévision, à notre ambassade de France à Washington. Alors, on ne va pas faire comme les autres fois, c'est ça? Vous avez décidé de... Il n'y a pas le sparring partner ou celui qui pose systématiquement les questions, mais vous avez... C'est évidemment Céline qui fait la conférence, l'exposé liminaire, la présentation, puis vous, votre intervention. Mais bon, pour le caractère vivant, n'hésitez pas à vous interroger, à vous interrompre. Et puis comme toujours, après ces exposés, ces interventions liminaires, il y aura le temps des questions à la salle. Vous donnez le temps de... donner à la salle pour les questions. Céline, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse et très honorée d'être ici ce soir. Le côté crépusculaire de cette conférence, j'espère, ne se traduira pas trop dans nos propos. Ce que je voulais vous préciser avant de parler, c'est que je ne parle pas ici à titre officiel avec ma casquette directrice de la stratégie du CEA DAM, hein, même si c'est effectivement mes fonctions officielles et donc mes propos n'engagent pas le CEA ni le ministère des Affaires étrangères. Donc merci beaucoup à Louis pour ce sujet, la défense de l'Europe et la dissuasion nucléaire, hein, qui est un sujet particulièrement d'actualité. Puisque les Américains viennent d'annoncer, comme vous avez pu le voir, début février, leur retrait du traité FNI, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe, qui est un traité qui avait mis fin à l'une des plus graves crises de la guerre froide,
qui est la crise des euromissiles pendant les années 80. Ce traité FNI, il porte d'ailleurs mal son nom parce qu'il il a été signé en 87, et il éliminait tous les missiles sol-sol de portée courte à intermédiaire, donc de 500 à 5500 km, qu'ils soient conventionnels ou nucléaires. Donc ça, c'est le premier élément d'actualité. Le deuxième, il est aussi très récent, il date d'il y a quelques jours, puisque, comme vous le savez peut-être, s'est tenue ce week-end une conférence à Munich sur la sécurité, qui est le rendez-vous annuel en Allemagne du Gotha des questions de défense. Et le président de cette conférence de Munich, Wolfgang Ischinger, qui est un ancien diplomate et qui est une figure respectée et influente en Allemagne sur toutes les questions stratégiques, a relancé la question d'une éventuelle extension du parapluie nucléaire français au reste de l'Union européenne. Il a estimé dans un entretien à la presse allemande qu'une européanisation du potentiel nucléaire français était une très bonne idée à moyen terme, et il a posé la question, je cite, « Il s'agit de savoir si et comment la France pourrait être disposée à mettre sa capacité nucléaire stratégique à disposition de l'ensemble de l'Union européenne. » Donc, ces deux éléments d'actualité vous montrent qu'il y a un retour de la question nucléaire dans les débats européens. Naturellement, le nucléaire n'avait jamais disparu, mais la question nucléaire revient sur le devant de la scène dans les débats européens d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis le milieu des années 90 notamment. Alors, une petite remarque liminaire sur ce que moi j'entends dans cet exposé par Europe. En France notamment, nous avons souvent tendance à faire une équivalence entre Europe et Union européenne, et cette équivalence est erronée. Et donc, il est nécessaire de considérer la relation de l'Europe aux armes nucléaires dans toute sa diversité, et au moins dans une triple dimension. Tout d'abord, celle de l'OTAN, donc l'Alliance Atlantique, puisque l'Europe est l'un des deux théâtres avec l'Asie où s'exerce la dissuasion élargie nucléaire des États-Unis, avec évidemment des différences entre les deux théâtres, non seulement géographiques, mais également stratégiques et politiques, puisque en Europe, contrairement à l'Asie, il y a une architecture de sécurité avec l'OTAN. La deuxième dimension, c'est celle de l'Union européenne. C'est une dimension politique. Il n'y a pas de rôle de l'Union européenne en matière de dissuasion nucléaire. Mais néanmoins, pour autant, il y a une politique active de longue date de l'Union européenne en matière nucléaire et notamment en matière de non-prolifération nucléaire, et comme l'illustre le rôle de l'Union européenne sur le dossier nucléaire iranien. Et la troisième dimension, c'est la dimension bilatérale, puisque dans le domaine nucléaire, la France a une relation particulière avec le Royaume-Uni, d'une part, et avec l'Allemagne, d'autre part. Dans cet exposé, ce que je voulais aborder, c'est, d'une part, remettre en perspective ce débat sur le nucléaire en Europe, avec une perspective historique, et je prie par avance les historiens qui sont ici de m'excuser, car je ne suis pas historienne, mais il me semblait néanmoins important de remettre en perspective ce débat. Le deuxième temps de cet exposé, c'est d'examiner les déterminants qui expliquent que ce débat revient aujourd'hui sur le devant de la scène en Europe, et j'aborderai notamment la question des conséquences de ce retrait américain du traité FNI. Et puis, troisième grand temps, c'est bien sûr de réfléchir aux enjeux pour la France, notamment parce que la France deviendra, après le Brexit, la seule puissance nucléaire en Europe, au sein de l'Union européenne notamment. Et donc, nous risquons d'être plus sollicités, possiblement, comme les propos de M. Ischinger l'illustrent. Et ce que je montrerai là aussi avec une perspective historique, c'est que la France considère depuis longtemps, et encore plus depuis la fin de la guerre froide,
que sa dissuasion nucléaire a une dimension européenne. C'est moins connu, mais c'est très présent dans le déclaratoire des présidents français successifs. Et puis en conclusion, j'aborderai quelques perspectives rapides d'avenir. Donc comme vous le voyez, les enjeux de sécurité de ce débat nucléaire en Europe sont particulièrement lourds. L'architecture de sécurité en Europe est fragilisée, elle est en train de se déliter. On assiste à la mort du traité FNI et cette mort du traité FNI, elle aura naturellement un impact sur la sécurité et la stabilité stratégique en Europe. Et donc dans ce que la revue stratégique de 2017 a appelé un durcissement de l'environnement stratégique, le retour de la compétition stratégique entre grandes puissances, il existe la tentation chez certaines puissances, de transformer l'espace européen en un théâtre d'affrontement ou d'influence entre ces différentes puissances. Et on voit que le fait même que l'Europe demande ou puisse être un acteur de sa sécurité est un défi en soi. Et donc l'enjeu pour nous, Européens, Français et Européens, c'est que les Européens ne soient pas les spectateurs désengagés de ces évolutions qui les concernent directement et qui concernent directement leur sécurité. Donc tout d'abord, une mise en perspective de ce débat nucléaire en Europe. Comme je vous l'ai indiqué, ce débat, il est assez inédit depuis en réalité la fin des années 90, mais il n'est pas inédit. L'Europe, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et a fortiori pendant la guerre froide, a toujours été en réalité protégée nucléairement, même si elle n'a pas détenu le contrôle de ses armes nucléaires. Ce qu'il faut voir, c'est que la question du nucléaire en Europe, elle a été abordée essentiellement sous l'angle de l'Alliance Atlantique et de la dissuasion élargie américaine, et pas la dimension européenne proprement dite. Et donc ce qu'il faut souligner, c'est que la dissuasion nucléaire, elle n'est pas hors du champ conceptuel, ni d'ailleurs opérationnel, de nos partenaires européens non dotés d'armes nucléaires. Le nucléaire en Europe, ce n'est pas uniquement les puissances nucléaires. Alors, pendant la guerre froide, comment naît cette réflexion européenne sur le nucléaire ? Eh bien, l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne propre, elle naît en fait en filigrane dès la fin des années 50, autour de l'idée d'une force nucléaire européenne, afin de diminuer la dépendance stratégique des Européens à l'égard de Washington, et ce, dans un contexte de crise de confiance à l'égard du parapluie nucléaire américain. Le contexte y était favorable, bien sûr. Tout d'abord, la crise de Suez en 1956, qui illustre les limites de l'engagement que les États-Unis sont prêts à consentir en soutien à leurs alliés européens. Et d'autre part, le lancement du Sputnik, le satellite soviétique, en 1957, qui met en évidence la vulnérabilité nouvelle du territoire américain à une frappe stratégique soviétique. Et ces deux éléments conduisent à des doutes croissants en Europe sur le parapluie nucléaire américain. Et je vous renvoie à cet égard aux travaux du professeur Soutou. Dans ce cadre, vous avez des ébauches de coopération qui sont lancées, et notamment des accords trilatéraux entre la France, l'Italie et l'Allemagne à la fin des années 50, qui prévoit une coopération étroite, non seulement en matière d'armement conventionnel, mais également d'application militaire de l'énergie atomique, et également un protocole d'accord pour la construction d'une usine de séparation isotopique à Pierrelatte. Ces deux coopérations, ces deux accords, qui datent de 1957 et 1958, il s'arrête quand De Gaulle revient au pouvoir. En 1958, il met fin à cette coopération. Cet épisode, il illustre, vous le voyez bien, la tentation européenne de créer un embryon de force nucléaire propre en complément
en complément, j'insiste, de l'arsenal américain affecté par l'OTAN. Donc ce n'était pas un effort strictement indépendant. Cependant, ces tentatives échouent au profit d'une solution dans le seul cadre de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que pour les Européens, et en premier lieu pour la République fédérale d'Allemagne, le risque était trop grand d'inciter à un découplage des États-Unis à l'égard du reste de l'Europe occidentale. Et donc, comme je vous l'indiquais, cette réflexion nucléaire en Europe, elle s'est faite essentiellement au sein de l'Alliance Atlantique, sous la forme d'un partage nucléaire à l'OTAN et non d'une dissuasion nucléaire propre de l'Europe. Alors, au niveau de l'OTAN, les efforts se développent. En réalité, ils commencent d'une certaine manière côté américain dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que la préoccupation côté américain est essentiellement celle de la non-prolifération. Et les pays européens apparaissent de ce point de vue comme les plus susceptibles de se doter, bien sûr, d'un arsenal nucléaire. Il y a évidemment les efforts français, mais il y a d'autres tentatives en Suisse, en Suède ou en Espagne, par exemple. Il y a également des craintes à l'égard de la République fédérale allemande. Et donc Washington s'efforce de mettre progressivement en place une politique non seulement de non-prolifération nucléaire, mais également de partage nucléaire pour répondre aux inquiétudes américaines et à cette perception d'une crise de confiance en la dissuasion américaine. Et puis, les Américains essayent d'organiser et de contrôler, surtout, cette prise de décision sur l'emploi des armes nucléaires au sein de l'Alliance Atlantique. Donc, il y a différents efforts, je vous passe les détails. Ça aboutit à la fin des années, milieu-fin des années 60, en parallèle d'ailleurs aux négociations sur le traité sur la non-prolifération nucléaire, le TNP, et ce n'est pas un hasard. Ces efforts américains aboutissent au sein de l'Alliance à la création d'un groupe de planification nucléaire, le Nuclear Planning Group, qui est créé en 1966 de manière permanente. Une remarque, les Soviétiques acceptèrent la création de ce comité dans le cadre du compromis scellé sur le TNP pour donner l'impression aux Allemands d'avoir un droit de regard sur la politique nucléaire au sein de l'OTAN et sur les choix des cibles, étant entendu naturellement que ce droit de regard n'impliquait en aucun cas un pouvoir décisionnel. Au moment de la conclusion du TNP, les Américains durent donc donner des assurances aux alliés européens sur le fait que le futur TNP, le futur traité sur la non-prolifération nucléaire, ne remettrait pas en cause ces arrangements nucléaires au sein de l'OTAN. Et d'autre part, ils durent donner des assurances sur un second point qui est moins connu mais qui est extrêmement intéressant, c'est le fait que ce futur traité n'empêcherait pas une intégration politique future de l'Europe et qu'il n'empêcherait pas un éventuel futur État fédéré européen de succéder à l'un de ses membres, donc à une puissance nucléaire, la France ou le Royaume-Uni, en tant que puissance nucléaire. Donc c'est très intéressant de voir ce compromis qui est scellé entre les Américains et leurs alliés européens au moment de la négociation du TNP. Après ce TNP, après la création de ce groupe de planification nucléaire, il y a différentes réflexions qui interviennent avec des hauts et des bas, notamment à la fin des années 70 et tout au long des années 80, pendant la crise des euromissiles qui naît d'une crainte allemande d'un découplage entre les États-Unis d'une part et le territoire européen d'autre part du fait des SS-20 soviétiques. Donc c'est bien, il y a bien en filigrane en permanence la crainte d'un découplage européen à l'égard des États-Unis. La contribution des forces nucléaires françaises et britanniques indépendante, elle est reconnue finalement assez tôt, elle est reconnue dès 1974 par l'OTAN,
Et elle a été rappelée depuis successivement par tous les concepts stratégiques de l'OTAN. Alors, depuis la fin de la guerre froide, comment a évolué cette place du nucléaire en Europe? Là aussi, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Naturellement, la fin de la guerre froide s'est traduite d'abord par des interrogations sur le rôle de l'arme nucléaire et sur la pertinence de cet outil. Et l'OTAN a réorienté ses missions vers la gestion de crise aux dépens de sa mission initiale, sa mission prépondérante, qui est celle de l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire la défense collective, la défense, la clause de solidarité collective et d'assistance mutuelle. Et donc il y a un certain vide qui s'est instauré en matière de défense nucléaire au sein de l'Alliance, et on peut dire d'une certaine manière que l'OTAN, notamment au cours des années 2000, a passé beaucoup plus de temps à se demander comment désarmer, comment se débarrasser de ces armes nucléaires qu'elle avait, plutôt que pourquoi elle les conservait encore. Donc vous avez une réduction de la place du nucléaire dans la politique de défense de l'Alliance. Vous avez une réduction du nombre d'armes nucléaires et notamment du nombre d'armes nucléaires tactiques avec des engagements non contraignants qui sont conclus entre les États-Unis et la Russie en 1991. Ce sont les initiatives présidentielles nucléaires. Et puis vous avez également une réduction des forces conventionnelles. Vous avez en parallèle une tentation, une volonté des Européens de développer la partie non nucléaire de la défense, et donc développement de la défense conventionnelle, développement de la défense antimissile. Et donc, dans les années 2000, le centre de gravité nucléaire de l'OTAN bascule, en réalité, de la dissuasion vers le désarmement nucléaire. Le contexte y est favorable. Vous avez le discours du président Obama qui expose sa vision d'un monde libre d'armes nucléaires à Prague en 2009. Cet appel est suivi des faits, et notamment le ministre allemand des Affaires étrangères en 2010, Westerwelle, demande publiquement le retrait des armes nucléaires stationnées sur le sol allemand. Une nouvelle période s'ouvre lors du sommet de Varsovie en juillet 2016. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ce sommet, il marque le retour de la question nucléaire en Europe, avec l'adoption d'un langage beaucoup plus, d'un langage renforcé sur les questions de dissuasion, un langage qu'on ne voyait plus depuis 1991. Et puis, ça se traduit aussi côté conventionnel par des déploiements, le déploiement d'un dispositif nouveau qu'on appelle la présence avancée renforcée, avec des forces conventionnelles déployées notamment sur le territoire des Pays-Baltes et auxquelles la France s'est joint. Voilà donc rapidement, à très grands traits, l'évolution du débat nucléaire au sein de l'OTAN. Et aujourd'hui encore, selon les sources ouvertes, puisque tous les pays ne le reconnaissent pas, mais selon les sources ouvertes, l'OTAN continue de stationner des armes nucléaires entre 160 et 200, selon les sources, dans 5 pays européens, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie. Alors, j'en viens maintenant aux raisons, finalement, dans un deuxième temps, aux raisons de ce retour du débat nucléaire en Europe. C'est un retour qui est, selon moi, assez ambigu, en tout cas avec des tendances paradoxales. Alors, il y a un retour très clair de la question nucléaire avec même, et on le voit avec les propos de Wolfgang Ischinger, un débat sur une dissuasion nucléaire européenne. Alors ce débat, vous l'avez vu, il n'est pas récent. Dans les années 90, j'y reviendrai plus tard, il était plutôt à l'initiative de la France, et Louis connaît ça parfaitement bien. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce débat sur une dissuasion nucléaire européenne, il revient à l'initiative de l'Allemagne. Et donc différentes formules ont été discutées dans la presse allemande, notamment, et reprises dans la presse aux États-Unis.
Donc différentes formules ont été évoquées, qu'il s'agisse d'un rôle renforcé des forces françaises et britanniques, d'une dissuasion élargie française avec le déploiement d'armes françaises dans d'autres pays européens, d'une véritable européanisation de la dissuasion nucléaire française qui serait placée sous un commandement européen, avec un financement européen, une doctrine européenne. Et pour certains, c'était le cas notamment cet été, enfin l'été dernier, des interrogations sur le développement d'une bombe allemande. Ce débat, il a été notamment alimenté par un député allemand de la CDU, qui s'appelle Kiesewetter, mais aussi par Jarosław Kaczyński à la tête du parti polonais Loi et Justice. À l'été 2017, vous avez même un rapport du Bundestag, donc le Parlement allemand, qui a conclu à la possibilité juridique pour l'Allemagne de financer la dissuasion nucléaire française ou britannique. Alors ce débat, il ne doit pas être surestimé parce qu'il est limité à, en réalité, un peu toujours les mêmes experts. Néanmoins, le seul fait qu'il existe, ça c'est nouveau. Et donc c'est très intéressant parce que c'est en soi révélateur d'interrogations nouvelles et d'évolutions plus profondes. Et comme l'a dit la chancelière allemande, et elle l'a redit à la conférence de Munich, l'Europe ne peut plus compter uniquement sur les États-Unis pour sa propre défense. Et il faut mesurer le changement intellectuel que ça suppose pour un Allemand de dire ces paroles, alors que, comme le disent les Allemands, l'Allemagne de l'après-guerre, elle naît grâce aux Américains. Donc qu'un chancelier allemand vienne dire que la défense, que l'Europe ne peut plus compter uniquement sur les États-Unis pour sa propre défense, c'est vraiment un changement de paradigme. En même temps, et là j'en viens au caractère paradoxal de cette évolution, c'est que il ne faut pas non plus sous-estimer, et je sais que Manuel y reviendra, il ne faut pas non plus sous-estimer la profondeur des désaccords sur le nucléaire militaire en Europe. Un fait le résume en fait à lui seul, c'est le fait que le récent traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté aux Nations Unies en juillet 2017, eh bien, il a déjà été ratifié par un pays membre de l'Union européenne, l'Autriche, et il a été signé par un État membre de l'UE, qui est l'Irlande. Donc vous voyez bien que le fait que ces pays rejoignent un traité d'interdiction des armes nucléaires empêche durablement une unité de l'Union européenne sur la thématique nucléaire militaire. Et finalement, 25 ans après, l'interrogation de François Mitterrand, comment gérer la différence de statut nucléaire au sein de l'Union européenne, elle reste plus pertinente que jamais. Alors, ces facteurs qui contribuent au retour du débat nucléaire en Europe, ils sont de plusieurs ordres. De mon point de vue, ce retour du nucléaire, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'évolution stratégique beaucoup plus profonde qui touche les Européens et plus largement le système de sécurité international. Vous avez une dégradation du contexte stratégique qui touche particulièrement l'Europe. Évidemment, on pense tout de suite, et notamment nos amis à l'Est, à la résurgence de la menace russe, notamment nucléaire, avec une vraie prise de conscience au moment de l'annexion de la Crimée en 2014. Et puis avant elle, il y avait eu l'invasion de la Géorgie. Il y a ce que la revue stratégique a appelé une stratégie russe d'intimidation stratégique, avec des capacités duales et une politique d'ambiguïté délibérée de la part de la Russie, une politique de sanctuarisation agressive qui remet à l'ordre du jour, pour plusieurs partenaires européens, la possibilité d'une crise majeure en Europe sous un parapluie nucléaire. La deuxième évolution stratégique, c'est bien sûr les doutes sur la solidité politique des garanties de sécurité américaines et la crainte d'une moindre automaticité de l'engagement américain en cas de crise en Europe,
qui s'exprime plus ouvertement, il faut le reconnaître, depuis l'élection de Donald Trump. La relation transatlantique, et je crois que la chancelière allemande l'a reconnue à nouveau ce week-end, elle atteint un niveau inédit d'imprévisibilité. La politique de l'administration américaine, qui est marquée par la volonté de renouer avec une doctrine réaganienne de paix par la force, elle se traduit par un recentrage sur la défense des seuls intérêts américains. Pour plusieurs experts, cette évolution, elle s'inscrit dans une tendance de plus long terme à un désengagement américain de l'espace européen qui pose la question de la viabilité à terme de cette dissuasion élargie américaine et des garanties de sécurité américaine. Et vous avez pu voir sans doute cet article du New York Times en janvier qui évoquait une petite phrase qui aurait tourné dans le bureau ovale et dans la bouche du président Trump, évoquant l'idée de quitter l'OTAN. Évidemment, ça, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant pour les alliés européens. Une autre évolution stratégique qui concerne directement l'Europe, c'est bien sûr le Brexit, qui repose la question de l'organisation de la sécurité collective en Europe et du rôle que les Européens veulent jouer pour leur propre sécurité. Il a favorisé une relance du projet européen de défense, porté notamment par la France. Il y a d'autres évolutions qui tiennent à la dégradation de l'architecture de sécurité en Europe. Alors, j'ai parlé du traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été ratifié par l'Autriche et signé par l'Irlande, et donc qui crée une fracture durable sur les questions nucléaires militaires au sein de l'UE. Mais vous avez aussi une érosion et une remise en question de traités fondamentaux pour la sécurité de l'Europe. Et là, je veux notamment parler du traité FNI que j'ai évoqué au début. Donc ce traité, comme je vous l'ai indiqué, il a mis fin à la crise des euromissiles. C'est un traité bilatéral entre la Russie et les États-Unis, mais naturellement, il a un impact sur la sécurité européenne. Pourquoi est-ce que les États-Unis se retirent de ce traité? C'est à cause d'une violation russe. En fait, depuis 2014, les États-Unis accusent la Russie d'être en violation de ce traité en développant un missile sol-sol dans les portées interdites par le traité FNI. La Russie a d'abord nié l'existence de ce système de missiles russes que les alliés nomment le SSC-8. Et puis, elle a fini par le reconnaître. Elle a fini par reconnaître l'existence de ce système tout en niant la portée de ce système et donc la violation. Ce qu'il faut voir, c'est que le développement de ce système s'inscrit aussi dans un contexte de remontée en puissance militaire russe beaucoup plus large, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas uniquement une conclusion des États-Unis. Les alliés, dans leur ensemble, ont reconnu à plusieurs reprises, lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement en juillet 2018 et à nouveau début février, que la Russie avait développé un système de missiles qui viole le traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Les alliés ont souligné que la Russie n'avait pas répondu aux demandes d'explication formulées par les alliés. Je cite le communiqué du ministère des Affaires étrangères français, « La France regrette d'arriver à une situation dans laquelle les États-Unis ont dû notifier leur retrait du traité FNI. » Alors, dans la décision américaine, aujourd'hui, on en est à une notification du retrait. Elle prendra effet dans 6 mois, sauf si les Russes reviennent au respect du traité. Et en parallèle à cette décision, les Américains ont annoncé qu'ils suspendaient
leurs obligations et donc ils sont libres, s'ils le souhaitent, juridiquement en tout cas, de développer des systèmes sol-sol. Alors cette décision, elle reflète bien sûr, elle est bien sûr la conséquence de cette violation russe, mais elle reflète également d'autres enjeux stratégiques et notamment le fait que l'équation stratégique internationale a profondément changé par rapport au moment où le traité FNI avait été conclu. Puisqu'il y a un acteur, bien sûr, qui manque dans cette équation stratégique, dans le traité FNI, c'est la Chine. La Chine ne fait pas partie de ce traité et n'a évidemment aucune intention d'en faire partie. Or, elle possède un total d'environ, selon les sources, 1500 à 2000 missiles sol-sol, dont il est probable que 80% entreraient dans les gammes interdites par le traité FNI. Quoi qu'il en soit, le retrait américain de ce traité FNI, donc la mort annoncée du traité, elle ouvre une période extrêmement incertaine, très instable. Les conséquences aujourd'hui sont difficiles à anticiper. Pourquoi ? Parce qu'elles dépendront essentiellement des mesures, notamment militaires, qui seront prises par les alliés en réponse à la violation russe. Est-ce que les États-Unis développeront des systèmes sol-sol ? Est-ce qu'ils seront conventionnels, nucléaires ? Est-ce que ça sera en Europe ? Est-ce que ça sera en Asie ? Est-ce qu'au lieu de systèmes sol-sol, ils vont choisir plutôt de développer des systèmes air-sol ou mer-sol ? Est-ce qu'ils vont choisir de renforcer la défense antimissile ? Aujourd'hui, il y a des incertitudes, donc j'ai pas de réponse à apporter. En tout cas, l'année qui vient va être extrêmement critique pour l'évolution de la défense et des équilibres stratégiques en Europe. Il y a en tout cas des risques de découplage qu'il faut essayer d'éviter, un risque de découplage entre Washington et ses alliés, qu'ils soient européens ou asiatiques, entre les alliés européens eux-mêmes, notamment si certains décidaient de faire cavalier seul et d'engager des négociations bilatérales directes avec Washington, entre les alliés asiatiques aussi, puisque tous ne sont pas dans la même situation, qu'il s'agisse du Japon, de la Corée du Sud ou de l'Australie, mais aussi entre les théâtres européens et asiatiques, bien sûr. Et plus largement, au-delà du traité FNI, c'est tout le cadre de la relation stratégique bilatérale entre les États-Unis et la Russie qui risque de tomber et qui en tout cas est aujourd'hui en jeu. Cette relation stratégique bilatérale, elle repose aujourd'hui sur un traité qui s'appelle le traité New Start, qui date de 2010 et qui limite à 1550 le nombre de têtes stratégiques opérationnellement déployées par les États-Unis et la Russie. Ça ne représente pas l'ensemble de leurs arsenaux nucléaires, c'est uniquement l'iceberg stratégique, mais néanmoins, c'est un élément important de limitation des arsenaux stratégiques et il est d'autant plus important qu'il comporte des dispositions de vérification sur le territoire de l'une et l'autre partie. Ce traité, il expire en 2021 et on voit bien que la relation bilatérale aujourd'hui entre Washington et Moscou n'est pas au beau fixe. Il peut être prorogé de 5 ans maximum, donc au maximum jusqu'en 2026, mais on ne sait pas ce qu'il en sera. Et surtout, la Chine, toujours la Chine, n'est pas partie, bien sûr, à ce traité New Start. Or, pour les États-Unis, aujourd'hui, le défi de plus en plus, ça reste naturellement la Russie, mais c'est de plus en plus la Chine. En tout cas, le risque pour les Européens, le risque de cette dilution et de cet effondrement de l'architecture de sécurité, c'est qu'il y ait une nouvelle rivalité entre grandes puissances et que cette rivalité, elle se fasse sur leur dos. Et je cite l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Sigmar Gabriel, qui avait averti, je cite, « Dans un monde de carnivores géopolitiques, les Européens sont les derniers végétariens. Sans le Royaume-Uni, nous deviendrons véganes, puis une proie. » Et donc, il est particulièrement important pour les Européens de définir quels sont leurs intérêts de sécurité propres et quels sont les termes d'un équilibre stratégique qui sont dans leur intérêt.
Alors, j'en viens à ma troisième partie. Quels sont les enjeux pour la France de ce débat renouvelé sur le nucléaire en Europe? Comme je vous l'ai indiqué en introduction, cette recomposition des espaces, des équilibres stratégiques en Europe, elle a naturellement des conséquences directes sur la France, qui deviendra, après le Brexit, la seule puissance nucléaire au sein de l'UE. Et donc, nous pourrions être à la fois plus exposés, mais aussi plus sollicités sur ce sujet au sein de l'Union européenne. Alors, le choix de la France en faveur de la stratégie nucléaire dans les années 50, il reposait sur un double fondement. D'une part, le souhait de protéger nos intérêts vitaux et d'assurer en toutes circonstances notre indépendance et notre liberté d'action. Et si cette doctrine elle a été adaptée pour tenir compte du contexte stratégique et de l'approfondissement de la construction européenne, ces fondements n'ont jamais été remis en cause. Notre dissuasion nucléaire reste nationale, au sens où il appartient au président de la République et à lui seul d'apprécier la limite de nos intérêts vitaux. La dissuasion française, elle reste aussi une dissuasion centrale, par opposition à une dissuasion dite élargie, qui est le modèle américain. Et d'une certaine manière, la dissuasion nucléaire française, elle s'est construite par opposition à ce modèle de dissuasion élargie. C'est bien parce que nous estimions que la dissuasion élargie n'était pas crédible pour nous, la dissuasion américaine, que nous avons développé notre propre force de dissuasion. Pour autant, en dépit de ces fondements qui restent inchangés, il y a, dès l'origine, dans la stratégie nucléaire française, une dialectique entre cette volonté d'autonomie, d'indépendance, et d'autre part, l'appartenance européenne. Le général Poirier, qui est un grand théoricien de la dissuasion, formulait ainsi cette dialectique, je cite, « Comment accorder les exigences et contraintes de l'autonomie de décision que l'atome impose à notre stratégie et celle de notre non moins nécessaire contribution à la sécurité de nos voisins et alliés. » Et donc la France considère depuis longtemps, et encore plus depuis la fin de la guerre froide, que sa dissuasion nucléaire a un rôle européen. La contribution de la dissuasion française à la sécurité de l'Europe, elle est tout à la fois une contribution de fait, qui résulte de la géographie, bien sûr, mais aussi un choix politique et stratégique. Et de même que je vous disais en introduction que l'Europe, cette notion ne se limite pas à l'Union européenne, de même le rôle européen de la dissuasion nucléaire française n'est pas limité au seul cadre institutionnel de l'Union européenne. Il comprend différentes dimensions. Une dimension géographique, qui est nécessairement floue, une dimension politique, avec la construction européenne et l'approfondissement de cette construction européenne, qui est liée étroitement à l'évolution de l'Europe de la défense, une dimension militaire, avec l'OTAN, et puis une dimension bilatérale, avec notre relation avec le Royaume-Uni et avec Berlin, notamment. Et donc, si on entend souvent que l'Europe n'est pas dans le logiciel de la dissuasion nucléaire française, un regard rétrospectif permet de mesurer les ouvertures françaises dans ce domaine. Alors les ouvertures, cette dimension nucléaire, cette dimension européenne, elle commence très vite, dès l'origine. En fait, les dirigeants de la 4e République qui lancent le programme clandestin militaire de la France fin décembre 1954, ils ne concevaient pas cet effort national comme incompatible avec l'Alliance Atlantique. En réalité, d'une certaine manière, si je peux résumer, la France aspirait au même statut que le Royaume-Uni. À partir de l'arrivée au pouvoir de Gaulle, en 1958, il faut se rappeler que de Gaulle propose d'abord un directoire à trois sur l'emploi de l'arme nucléaire à Washington et à Londres. C'est le fameux mémorandum du 17 septembre 1958. C'est un échec
Et donc, à partir de ce moment-là, la France entre dans ce que les autorités françaises appellent la voie du dégagement atlantique. Et donc, à partir de 1960, la France acquiert progressivement son autonomie nucléaire avec sa force de frappe. Premier essai en février 1960, puis distension des liens avec l'OTAN, l'Alliance Atlantique, avec la décision en 1966 de se retirer non pas de l'Alliance, mais du commandement intégré de l'Alliance, une décision que les autorités françaises présentent comme une volonté d'indépendance qui sert l'Europe, et non comme un départ de l'Alliance. Et là, je vous cite le Premier ministre Pompidou en 1966. Il s'agit de rendre la France à elle-même. En le faisant, nous servons l'Europe et nous la préparons à reparaître et à jouer son rôle. La singularité française, elle est ancrée dans ce paysage à partir de 1966. La France refuse évidemment de rejoindre le groupe de planification nucléaire au sein de l'OTAN. Et elle refuse aussi de rejoindre le TNP, le traité sur la non-prolifération nucléaire. Vous avez une décrispation qui s'amorce à partir de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Et progressivement, les présidents français reconnaissent de manière prudente que les intérêts vitaux de la France ne se limitent pas au seul territoire national. Dès le premier livre blanc, le livre blanc de 1972, vous avez une phrase qui indique qu'il y a des fondements géographiques, que nos intérêts vitaux, je cite, se situent sur notre territoire et dans ses approches. Puis vous avez une extension de ces intérêts vitaux pour des raisons politiques, du fait de l'approfondissement de la construction européenne. Et comme le souligne Alain Juppé en 1995, les intérêts vitaux de la France ont depuis plusieurs années un horizon plus politique que géographique. À la fin de la guerre froide, avec l'approfondissement de la construction européenne, le débat est relancé sur cette dimension européenne de la dissuasion française. Et le livre blanc de 1994, qui est le premier livre blanc post-fin de la guerre froide, il s'inscrit dans une optique résolument européenne. Et sur le sujet de la dissuasion nucléaire, il reprend les mots que François Mitterrand avait évoqués plus tôt, en 92 et en 94. Je vous le lis entièrement, excusez-moi de la citation, mais je pense que ça résume tout. La problématique d'une doctrine nucléaire européenne est appelée à devenir une des questions majeures de la construction d'une défense européenne commune. Avec le nucléaire, en effet, l'autonomie de l'Europe en matière de défense est possible. Sans lui, elle est exclue. Il n'y aura cependant de doctrine nucléaire européenne, de dissuasion européenne, que lorsqu'il y aura des intérêts vitaux européens, considérés comme tels par les Européens et compris comme tels par les autres. D'ici là, la France n'entend diluer les moyens de sa défense nationale en un tel domaine sous aucun prétexte. À la suite de ce livre blanc, différentes formules déclaratoires, en réalité, ont été mises en avant par les autorités françaises, dont vous avez forcément entendu parler, pour renforcer la dimension européenne de la dissuasion nucléaire. Alors, après la sanctuarisation élargie dans les années 70, qui était l'expression de Valéry Giscard d'Estaing en 1976, vous avez la notion de dissuasion concertée à partir de 1992. Ce terme est d'abord lancé par Jacques Mélic, le secrétaire d'État à la Défense, et puis elle est reprise par Alain Juppé, alors Premier ministre, en septembre 1995. Et puis Jacques Chirac, président, la précise en 1996, et il indique « Il ne s'agit ni d'élargir unilatéralement notre dissuasion, ni d'imposer à nos partenaires un nouveau contrat. Il s'agit de tirer toutes les conséquences d'une communauté de destin, d'une imbrication croissante de nos intérêts vitaux. Compte tenu des différences de sensibilité sur l'arme nucléaire qui existe en Europe, nous ne proposons pas un concept achevé, mais une démarche progressive, ouverte aux partenaires qui souhaitent s'y engager. » Après Jacques Chirac, vous avez une autre formule moins ambitieuse
qui est celle de Nicolas Sarkozy en 2008, qui propose un dialogue sur le rôle de la dissuasion nucléaire à ceux de nos partenaires qui le souhaiteraient. Et puis, la dernière évolution, c'est le dernier discours présidentiel, donc c'est celui qui, encore aujourd'hui, est le fondement de la stratégie nucléaire française, puisque le président Emmanuel Macron n'a pas encore, même s'il s'est exprimé, bien sûr, à plusieurs reprises sur les forces nucléaires, il n'a pas fait le grand discours sur la dissuasion nucléaire que ses prédécesseurs ont fait. Donc, en tout cas, le dernier discours présidentiel sur la dissuasion, c'est celui du président Hollande à Istres en 2015, et il semble inclure, de manière interrogative, et naturellement tout est dans cette formule interrogative, la survie de l'Europe parmi les intérêts vitaux de la France. Et je le cite, « Qui pourrait donc croire qu'une agression qui mettrait en cause la survie de l'Europe n'aurait aucune conséquence ?» Trois petites remarques sur cette évolution historique. D'une part, deux partenaires européens, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont fait l'objet d'un traitement particulier. L'Allemagne, bien sûr, pour des raisons évidentes, historiquement, plus jamais ça, plus jamais 1940, du fait de la géographie, puisque pendant la guerre froide, l'Allemagne avait une double proximité avec la France, bien sûr, et puis avec le bloc soviétique. Et puis, pour des raisons stratégiques, puisque pendant la guerre froide, il y avait de très fortes inquiétudes allemandes sur une possible nucléarisation du sol allemand, du fait des armes tactiques françaises. Et donc, François Mitterrand avait consenti en 1986, mais avec beaucoup de limites et beaucoup de prudence, à une consultation de l'Allemagne, de Bonn, sur l'emploi éventuel des armes non stratégique française sur le sol allemand. Mais la France, j'insiste, a toujours refusé d'étendre explicitement et de façon automatique sa garantie nucléaire à l'Allemagne. Vous avez une autre évolution avec le concept franco-allemand de défense en 1996 qui indique que les deux pays sont prêts à engager un dialogue concernant la fonction de la dissuasion nucléaire dans le contexte de la politique de défense européenne. Et puis, vous avez le traité d'Aix-la-Chapelle du 22 janvier dernier, dont on pourra reparler, qui ne mentionne pas la dissuasion nucléaire, ni d'ailleurs les intérêts vitaux, mais qui inclut une forme, dans son article 4, de clause d'assistance mutuelle par tout moyen. Le deuxième pays avec lequel nous avons une relation extrêmement privilégiée, et ça va même beaucoup plus loin qu'avec les Allemands, c'est évidemment avec le Royaume-Uni, seule autre puissance nucléaire européenne. Le rapprochement, il est tenté dans les années 70, mais il se formalise à partir de 1992. Et il y a deux dates importantes. C'est d'une part 1995, avec la formule dite des Checkers, lors d'un sommet entre le président Chirac et le premier ministre britannique John Major, il y a une déclaration politique qui est totalement inédite, qu'on n'a fait avec aucun autre partenaire, qui dit que, je cite, « nous n'imaginons pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'un seraient menacés sans que les intérêts vitaux de l'autre ne le soient aussi ». Et ça se traduit par une coopération concrète, nucléaire, qui est formalisée dans un traité en 2010, le traité TETATES, qui prévoit la construction d'une installation radiographique et hydrodynamique commune avec le Royaume-Uni. La deuxième remarque, c'est que, comme vous avez pu le voir avec cette évolution historique, l'option d'une véritable dissuasion élargie française sur le modèle américain n'a jamais été proposée. Ni retenu. Comme je vous l'ai dit, la dissuasion française, c'est une dissuasion centrale qui s'est finalement construite par opposition à un modèle de dissuasion élargie. Ce choix limité en faveur d'une dissuasion centrale, il était et il reste celui d'une puissance moyenne, qui est la France, dotée de ressources budgétaires limitées. Et donc, toute notre stratégie, tous les concepts et les moyens de notre stratégie de dissuasion découlent de ce concept de dissuasion centrale. Le concept de stricte suffisance, le fait que
notre dissuasion nucléaire, elle s'exercerait par des représailles massives. Le fait qu'il y aurait des dommages inacceptables, le fait que nous prévoyons un avertissement nucléaire, tous ces concepts, ils dérivent de notre stratégie de dissuasion centrale. La dissuasion élargie américaine, c'est une dissuasion différente qui repose donc sur des concepts et des moyens différents. Comme je vous l'ai indiqué, les enceintes européennes, elles ont reconnu le rôle européen de la dissuasion nucléaire française à la sécurité de l'Alliance, ça c'est reconnu dès 1974 par l'OTAN, mais aussi à l'Europe, puisque ce sont les ministres de l'Union de l'Europe occidentale qui le reconnaissent en 1987. Et notre retour au sein du commandement intégré de l'OTAN en 2009 ne s'est pas traduit par un retour de la France au sein du groupe de planification nucléaire. Notre dissuasion reste indépendante et donc nous restons en dehors de ce mécanisme de planification nucléaire. Pour autant, comme le président François Hollande l'avait rappelé à Istres en 2015, la France souhaite contribuer à la définition de la politique nucléaire de l'Alliance. Donc nous contribuons, à la diffusion d'une culture nucléaire de l'Alliance. Rapidement, parce que je vais passer la parole à Manuel, quelques perspectives rapides et nous pourrons y revenir dans les débats. Il y a plusieurs, les débats dont j'ai parlé tout au long de mon intervention, ils reflètent, comme je vous l'ai indiqué, une évolution en profondeur. Ils obligent les Européens à se poser des questions pas toujours très agréables sur le rôle des armes nucléaires, le rôle de la dissuasion nucléaire. Renforcer la défense de l'Europe, ça ne passe pas uniquement par des capacités nucléaires, ça passe aussi par un renforcement de capacités conventionnelles, et ça, Manuel y reviendra, mais beaucoup d'efforts ont été consentis au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, y compris par la France. Et donc le débat américain sur le partage du fardeau, ces fameux 2% que les Américains demandent à leurs partenaires européens de dépenser en matière de défense, ce n'est pas un débat illégitime, car les Européens, depuis la fin de la guerre froide, ont largement désinvesti sur la défense. Et puis, ces évolutions, elles posent aussi plusieurs questions. Elles supposent d'anticiper la suite. Quelles sont les conséquences de la fin du traité FNI? Quelles sont les conséquences de tout ça? Quelles conséquences en tirer? Faut-il adapter la posture de défense et de dissuasion de l'OTAN? Quelle architecture de sécurité en Europe voulons-nous? Est-ce que nous devons proposer, nous, Européens, de nouvelles mesures de maîtrise des armements? Et si oui, comment? Bien sûr, ça devrait passer d'abord par une conception commune de nos intérêts de sécurité. Donc, il y a tout un travail à faire en européen, avec nos partenaires, sur cette dimension nucléaire. Il y aura peut-être des questions qui seront posées au président de la République française, et ça, bien sûr, il lui appartiendra d'y répondre. Mais, en tout cas, vous voyez bien que nous sommes à un moment clé. De nombreuses questions stratégiques se posent, et dans ce débat sur le nucléaire en Europe, Washington reste pour beaucoup, pour la plupart de nos partenaires, un élément fondamental. Donc, d'une certaine manière, la clé de ce débat, elle se trouve aussi à Washington. En tout cas, pour la première fois depuis plus de 20 ans, nous avons un débat sérieux sur le rôle des armes nucléaires dans la sécurité européenne. Ce débat doit se faire en préservant l'unité européenne. C'est tout sauf facile, parce que naturellement, les tendances centrifuges existent. Alors que depuis la fin de la guerre froide, l'Europe a, d'une certaine manière, perdu l'habitude de penser la guerre et la stabilité stratégique, les évolutions actuelles, la force à cette réflexion renouvelée, et elle rend d'autant plus indispensable la poursuite des actions pour encourager l'émergence collective d'une véritable culture stratégique européenne. Je vous remercie et je m'arrête ici. Je suis disponible. Merci.